première de la classe, ouais, je pense que je vais aller à la messe le dimanche, là. Franchement, quoi. Non, mais sérieusement, mais mocassin, quoi. Retour en enfer. Adieu. Cette émission, elle est géniale. Donc, je suis venu, j'arrive. On me dit, tu mets un costume. Bon, moi, le gars, il est pas farouche, hein. Je mets un costume. Maintenant, j'attends. Ils m'ont quand même donné un truc classe. Ils se sont dit, le mec, il est toujours en mode stand-up. Il met des jeans, des baskets, des t-shirts. On va les mettre en mode costume. Peut-être que je me retrouve dans une ambiance un peu à la De Niro ou peut-être un conseiller pour l'emploi. Le mec, il voit trop, mais en fait, ce sera un truc tellement basique. Non, t'es très bien. Je suis assez belle, je porte bien. Naturellement. Arrête de t'habiller. Oh, putain, je suis pas mal. Non, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Et en même temps, je suis assez sereine, en fait. Je ne sais pas pourquoi, je suis zen. Je suis entre la pute et la belle-mère, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'avec une robe comme ça, t'as envie de partir. Il vaut mieux que vous ne les ayez pas loin. Oui. On ne sait jamais. Si je ne reconnais pas Auriane, c'est embêtant. Ça, rien ne vous la reconnaîtrait. Ouais. Comment ça va? Bien, oh, comment ça va? Mes lunettes. Ça va bien? Ah bien, pas trop froid? Un peu, un si, peu, hein? Ça va. Bon. Mais comme ça nous tient sur le truc. Ah hein. Oui, tu vas voir. Il y en a qui rentrent dans les tranchées, moi je rentre dans les ascenseurs, ok? Philippe, on va se mettre en place à l'entrée, s'il te plaît. Regarde bien par là. Dorothée, mais on n'a pas de vie. Pas mal, c'est bien. Je crois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer.